Hey, salut tout le monde, c'est Mister Diamant Minecraft et ce soir, pour l'épisode numéro 3 de Leadstone, on se retrouve pour notre usine à XP. Donc là, on va faire tout le chemin. Donc là, j'ai fait la salle vite fait pendant que hors caméra. Voilà. Donc en gros, les zombies, ils arriveront tous là. Et maintenant, le boulot le plus chiant, je dirais, ça va être. Ouais, donc j'ai été chercher tous mes seaux d'eau aussi. Putain, pourquoi? Ah, ok. Voilà. Le plus chiant, je dirais, ça va être d'emmener l'eau, enfin de faire une sorte de circuit qui emmène les monstres. Jusqu'à chez moi, donc c'est quand même assez loin. Donc, merde, oh non, j'ai pas prévu ça. Pas prévu ça. Il me faut des pancartes pour des ascenseurs. Écoutez, je vais en faire et je reviens dans 2 petites secondes. À tout de suite, et donc. Là c'est bon, j'ai mes pancartes, donc on va commencer tout de suite l'ascenseur. Donc là, y a pas besoin. Oh, mon sol. L'ascenseur, c'est comment? Alors l'ascenseur, si je me rappelle bien. Ah oui, c'est ça. Voilà. Donc là, on va devoir le faire monter de 2 direct. Hop, je crois qu'il faut une pancarte là. Oh, je suis pas sûr. Écoutez, on va essayer, puis on la détruira. Ah, mais non. L'ascenseur, comment il marche celui-là déjà? J'ai même un rappel plomb. Si, normalement c'est comme ça. Attends, il faut que je me remette la situation en tête. Ah oui, ok. Ok, bien. Capito, j'ai compris. Ça sert à rien du tout. Ok, donc cette pancarte là, elle va là. Non, en fait, j'ai pas compris. De toute façon, c'était peut-être comme ça. Non. Ah voilà, ok, d'accord. C'est comme ça. Donc là, normalement, si je fais comme ça et que je veux monter. Ok. D'accord. Donc là, on a notre premier étage de fait. Donc là, on va le faire. En fait, on va essayer de le faire gagner, nos zombies le plus vite possible à la surface. On va essayer de gagner, on va essayer de ramasser le plus de cobble direct.
Une fois que lui, il est monté. Donc que je pensais faire, c'était que bah après avoir fini ça, on va faire la salle d'enchante modulable. Hein. Donc une fois qu'on est là-dedans et qu'on veut sauter. Ok, donc. Il suffit. Ok, de faire ça. Donc, on répète l'opération. Donc, je sais que ma maison est par là. Mais ce que je voulais savoir, c'était à la limite faire un truc très loin ou plus près. Je pense que je ferai un deuxième bâtiment parce que franchement, ça fait vraiment très très loin. Donc on va voir ça. Si je vais faire un autre bâtiment, par exemple, peut-être le bâtiment pour la salle à... pour le Dina XP, je ne sais pas trop encore. Ok. Donc ça, c'est bon. Même histoire que tout à l'heure. Donc pas trop de lumière. Ça doit être au-dessus. Donc ça doit être ici. Laissez-moi réfléchir quand on y est. Il faut que les pancartes. À la hauteur de la tête. Ok, donc là on remonte un coup. Ah. Peut-être qu'on va mettre une petite torche. Ok, donc ça, moi j'ai très bien la torche en arrière. Très très bien. Même si elle servira à rien là, c'est pas grave. Je crois qu'on est. Ah, mais par contre, faudrait pas qu'il y ait de la flotte au-dessus. Je crains qu'il y ait de la flotte au-dessus. Faudrait pas que je tombe, là ce serait ballot. Donc une fois que ça c'est fait. Même histoire. Merde. Que tout à l'heure. Donc là, normalement, si on réfléchit, on peut monter. Donc, si on est lâché ici, sachant qu'un zombie saute, donc il va pas arrêter de sauter, il va monter ici, donc il va avancer. Hop, ok. Donc il va monter là tout seul. Si ce zombie est assez intelligent.
Oui, je sais, ce n'est pas bien de faire ça avec une pioche, mais j'ai pas pensé à prendre la pelle. Donc, comme tout à l'heure, il faut qu'il avance. Mais en fait, c'était quoi? On va tout mettre en cobble, comme ça on saura exactement. Comme ça, on saura exactement que c'est nous qui avons fait ça et savoir où suivre. Comme tout à l'heure. On refait une sorte de big ascenseur. Hop. On ne doit pas étendre la surface quand il y a beaucoup de terre comme ça, c'est qu'on n'est pas loin. Donc normalement, on devrait pouvoir monter jusqu'ici sans problème. Ok. Donc. 1, 2, 3. Et comme ça en même temps c'est bien parce que c'est un ascenseur qui fait qu'on avance en même temps. C'est dommage que j'ai pas de glow parce que la glow m'aurait bien été utile. Je vais pas mettre une torche à chaque fois parce que ça va être un peu chiant. Je pense que cet épisode ça va juste être ça. On va pas en faire beaucoup plus. Ça va déjà être super long. Ok, donc là, il faut que les pancartes. Voilà. J'espère qu'on va bientôt choper le fond parce que là, ça devient un peu chiant. Hop. Toujours la même chose à chaque fois. Ça devient serré tout cela.
1, 2, 3. Ok, donc ça va être là. Ok, donc tac, 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 tac. Non, fallait pas faire comme ça. Voilà. Ah, bah d'accord, on a fait que 1, 2 là. Une après. Attends, je regarde un truc sur les joueurs ou quoi? Ah ouais, d'accord, ok. Bah écoutez. Vous faites la même opération jusqu'en haut. Donc là, on se retrouve juste en haut. Et puis après, on va ensemble pour la suite. Allez, à tout de suite. Donc là, pour vous montrer ce que j'ai fait. Et merde. J'ai rejoint. Bah, je vais vous montrer depuis le bas. Je descends tout en bas et puis on va remonter ensemble. Donc vous allez voir que c'est très très pratique, qu'on va l'utiliser tout au long, parce que je vais l'emmener jusqu'au bout. Vraiment en espérant que les zombies vont spawner, parce que je serais un peu baisé si les zombies spawnent pas. Donc les zombies vont à chaque fois sauter comme ça. Donc ils vont très vite monter. Hein. Donc, peut-être pas à cette vitesse là, mais quasiment aussi vite. Hop, donc là c'est le dernier. Et voilà, nous sommes dehors. Alors maintenant, le deuxième défi, ça va être de la refaire descendre jusque là, ici, en bas. Et à chaque fois, pour qu'ils avancent, on va les refaire monter, on va les refaire descendre, on va les refaire monter, on va les refaire descendre, ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, c'est très simple pour les faire redescendre. Déjà, on va faire. Ça, comme ça. J'espère que j'aurai assez de cobble. Donc ça, on vit. Et puis, bah, tout simplement, vous refaites un chemin. Donc là, ici. Donc vous prévoyez 8, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc jusqu'ici. Hop. Donc jusqu'ici, l'eau va arriver. Sauf que avant la 8e, donc ici exactement. Voilà. Panneau. Hop.
On va refaire monter les monstres. Pour faire un ascenseur. Donc là, vous voyez, à chaque fois, on gagne pas mal de cales. Donc là. Et hop. On devait pas être... Bah, on est encore loin, loin, très très loin, là même. Mais, c'est comme ça qu'on va devoir y aller au fur et à mesure. Donc, ce qu'on a fait pour remonter. Soit je les fais monter très haut et non, il vaut mieux. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Non, il vaut mieux les faire descendre à chaque fois d'un coup. Ok, donc là, il va avancer. Donc, ah oui, donc à chaque fois qu'on veut les faire avancer d'un coup, il faut prévoir un étage de plus. Donc là, c'est pas bon. Voilà, donc à chaque fois qu'on veut les faire monter en plus. Faut prévoir, donc ici il faut prévoir qu'ils vont aller à l'avant, et donc ici, donc avec hop de l'eau là, voilà. Donc stack, ça devrait aller. Donc, c'est grâce à ça qu'on va pouvoir les faire avancer de 8 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, normalement, si on pose de l'eau, l'eau devrait s'arrêter juste au bout. Donc, je termine juste ça. Donc, il faut savoir que les zombies vont faire beaucoup, beaucoup de chemin. Donc, là, on va voir tout de suite que si on met de l'eau, et ben l'eau va aller juste. Ouais, c'était bon, 8, car comme ça, le trou est juste là. Donc maintenant, ah, c'est parfait s'il y a un peu de glace en plus. Donc c'est encore mieux vu qu'il y a de la glace, car ça va se déplacer encore plus vite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là ça va aller jusqu'à là.
Donc là, normalement, si on met le low. Ok. Donc, sachant que là, il faut le faire avant la fin, je me suis foiré. Ça commence ici. Je pense que je vais même pas pouvoir faire de terminer pendant cet épisode. Donc ça va être long. J'ai plus que 3 sauts d'eau. On va y arriver, on va y arriver, hein, mais pas maintenant en tout cas. Il nous reste encore un petit peu de marche à faire. Et surtout, il va falloir que j'aille reminer pour avoir de la cobble. Ah oui, merde, à chaque fois je me foire. Donc, encore une fois, on prévoit un étage de plus. Façon, je vais devoir aller rechercher de l'eau dans les seaux. Hop, donc là, en fait, en gros, c'est beaucoup de la répétition, enfin. Très 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 souvent la même chose. Donc, 1, 2, 1, 2, 3, 5, 6 et 7 et 8. Ok. Donc, toujours pareil, vous faites votre petit chemin. Hey, what the fuck? Mon dernier saut d'eau, je vais devoir aller chercher après. Parfait, ça s'arrête juste là. Et j'ai plus de cobble, youpi. Donc là, vous allez voir que ça fait souvent le même dessin après. Hein. Voyez, tac, tac, tac. Vous pouvez le faire en dirt aussi, mais en dirt, je sais pas pourquoi, j'aime moins. Parce que au niveau des zombies, je crois que ça me fait moins, mais c'est un peu comme vous voulez. Hein. Toute façon, c'est pas des tutos, c'est un let's play. Donc on va aller chercher de l'eau. On aura quand même pas mal avancé.
Ok. Alors, on y retourne. Donc, on va aller voir vite fait. On est à combien de temps de la maison? C'est par là. Mais il faut qu'on fasse tout ça encore. Ouais, on est encore quand même. Tiens, les loups. Faut qu'on fasse tout ça. Ça doit être. Ouais, c'est juste derrière après. Vous voyez, le marécage est là-bas. Ma maison est là-bas. Donc, il y en a encore pour longtemps. Faut du courage, mais on peut le faire. Je pense pas que d'ailleurs je vais pouvoir le faire dans cet épisode parce que ça va vraiment être très long pour vous. Je pense que je vais faire ça en deux épisodes, que je vais bientôt arrêter cet épisode, parce que ça doit faire longtemps que je filme. Mais au moins vous avez vu l'ascenseur, puis comment faire. Bah, c'est comme ça jusqu'au bout, hein, de toute façon, il n'y a pas d'autre moyen. Enfin, pour les transporter, il n'y a pas d'autre moyen. Ouais, ça va le faire à la main, il y en a que deux. Dès que j'ai plus de cobble, je vous laisse comme ça. 7. Ok. C'est parfait parce que moi j'ai pas besoin d'aller plus loin. Voilà. Hop, ouais, il doit me rester ça de cobble. Ok. Je pense que je pense pas que je vais le faire dans le tunnel de l'usine parce que ça risque d'être un peu compliqué à tout installer, enfin à tout ramener. Je pense que je vais faire ça devant, je vais faire bah, une sorte de petite maison avec à l'intérieur de l'usine. Mais je pense que je vais pas pouvoir faire ça à l'intérieur, ça risque d'être un petit peu trop compliqué au niveau de l'eau, les virages, etc. Ça risque d'être un peu chiant. Bah écoutez, il me reste 6 de cobble. Normalement, on va essayer d'en économiser un petit peu. Juste ce qu'il faut. Donc là. Notre histoire. Ouais, bah là, de toute façon, je vais pas en avoir assez. Je vais utiliser des bûches. Hop. Et voilà, donc après bah, on continuera là-bas. Voilà. Donc, je fais juste mon chemin ici, de façon déjà tracée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, ce sera par là encore. Donc, bah, on va redescendre tout en bas et on va voir quand même tout ce qu'on a, tout ce qu'on a. Tracé. C'est quand même vachement loin. J'ai pas un moyen plus court de y aller. Fiche. Là, je dois voir tout simplement mon point qui doit être là-bas. Ouais, c'est ça.
le point d'entrée qui est juste là. Hop, donc ça va être de l'autre côté, ça va être par là. Hop, donc on va voir tout ce qu'on a, bah, tout le chemin qu'on a fait quand même, on en a quand même fait putain de long. Donc juste des petites secondes que je rebouche. Voilà, donc le zombie va être là. Hop, il va monter. Donc là, je ne lâche pas les touches. Hein. J'appuie toujours sur la même touche. Hop, donc là, il va avancer. Tomber. Hop, donc là, il va tomber. Hop, il va remonter. Hop, il va retomber. Hop, il va remonter. Hop, il va retomber. Et là, il va remonter. Et il lui restera encore du chemin. Donc, c'était l'épisode numéro 4 de la longue et pénible route vers l'XP. On va appeler ça comme ça. Sachant que je suis niveau de 34 et que il va falloir que l'on trouve de la canne à sucre, que l'on plante beaucoup de canne à sucre, qu'il va nous falloir beaucoup de livres pour faire beaucoup de bibliothèques et aussi beaucoup de cuivre. Écoutez, j'espère que ça. Oh. Non. Voilà. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain. Pour l'épisode numéro 5 de Let's Stone, et je vous dis ciao ciao.